Bon allez, bonjour tout le monde, toute nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir dans le titre. Voilà, enfin semaine prochaine, c'est la canicule sur une bonne partie de la France, enfin une bonne partie. Oh, tous les départements en alerte verte. Enfin non, il n'y a pas de vigilance, vous avez bien compris. Je disais, oui, il va faire très très chaud, surtout jeudi, vendredi. Voilà, d'après pas mal de météo, enfin 90% des météos à peu près, ils annoncent de fortes fortes chaleurs. Voilà, regardez, par exemple samedi, je vais vous zoomer, regardez, je sais pas si vous voyez bien. Oh merde, ah oh, mais enfin bref, d'après Météo 60, samedi ils annoncent jusqu'à 38 degrés. Vendredi 34, enfin voilà 34, 35, jeudi, mercredi, enfin les ressentis de plus de 40. Après, d'après la chaîne météo, bon, ils annoncent 34 mercredi, 35 jeudi, 34 vendredi et 34 samedi, puis dimanche 35 degrés, puis des gros orages, ça c'était bien obligé. D'ailleurs, je posterai une vidéo des gros orages qu'il y a eu hier, que j'ai posté sur ma chaîne secondaire. Il y a eu de grosses inondations à Lyon, avec de la grêle, même sur mon village, mais il n'y en a pas eu de partout. Nous, on n'en a pas eu. Voilà, pourtant, c'est pas grand, ça tenait village. Voilà. Ils annoncent de fortes, fortes, fortes chaleurs. Hein. D'après Météo France aussi. Je vais vous dire ce qu'ils disent Météo France. Donc Météo France dit 30 degrés mardi, d'après toutes les météos aussi. Mercredi 33 degrés l'après-midi, jeudi 33, vendredi 32, samedi 32 et dimanche 30. Bon, par contre les nuits vont être chaudes, hein. Ça c'est bien obligé. Entre 18 et 20 degrés, voilà. Après, d'après Météo Satonnet Village de Météo France qui fait. Enfin, je sais pas ce que c'est le site. Enfin, bref. Ils annoncent quand même des bonnes chaleurs. Hein. Mercredi 33 degrés, jeudi pareil, vendredi pareil. Par contre, les températures de la nuit vont être entre 22 et 21 degrés. Donc, des nuits très chaudes. Et des journées extrêmement difficiles puisque les gens vont pas pouvoir dormir la nuit forcément. Pour ceux qui craignent la chaleur, ça surtout pour les enfants. D'après Météo Blue, ça c'est extrêmement fiable. Bah oui, pareil, hein, 33 l'après-midi. Ça va être vraiment très difficile, surtout pour les enfants qui retournent à l'école. Enfin, parce que c'est obligatoire, mais après c'est le directeur, les directrices qui décident. Je sais pas vous, mais le problème c'est que tout le monde va porter les masques. Et le problème c'est que même si vous n'avez pas de problème de santé, tout ça. Vous pouvez faire des malaises, puisque déjà que rien quand il y a de la canicule et qu'on porte pas les masques, c'est déjà assez compliqué. Alors si on porte des masques et qu'il y a des plus de 35 degrés, là, ça doit être vraiment, vraiment terrible, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. Donc une vigilance orange, vraiment, ça ferait pas de mal à la canicule. Peut-être aux orages, mais pour l'instant, on peut rien dire, voilà. Enfin, voilà. D'après Météo 60, on pourrait avoir des ressentis jusqu'à 44 degrés. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des ressentis de plus de 40 degrés, voilà. On va aller sur Météo Ciel pour voir ce qu'il dit. Alors, Météo Ciel. Attendez, il faut que je trouve. Ça va prendre du temps, donc je vais couper. Voilà, tout de suite. Sachant que l'humidex va être très 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 élevé. Voilà. Vu qu'il a fait des gros orages, qu'il y avait beaucoup eu de pluie, le sol est quand même bien humide, même si ça commence à sécher. Voilà, il y a quand même de l'humidité. Sachant qu'ils annoncent encore des gros orages la semaine prochaine pendant la canicule.
Mais ça ne veut pas dire que la température va baisser. Ça va être la même. Alors l'humidex, je vous explique même pas la semaine prochaine. Les températures, elles vont être moins fortes. Oui, elles vont être moins fortes que l'été dernier, au mois de juin, cette période. Mais l'humidex, il risque, lui, d'être beaucoup plus fort. Sachant que si on arrive à 45 d'humidex, là, c'est danger. Alors que s'il y a des gens qui ont les masques alors qu'ils sont en classe, alors là, c'est plus qu'un danger. Là, c'est la mort. Hein. Enfin, j'exagère, mais... Juste pour vous dire que c'est très très dangereux. Voilà. Sais pas si vous allez bien voir. Ouais, je pense pas que vous voyez bien. Enfin bref. Enfin voilà, c'était juste pour vous dire que il va y avoir de la canicule. Ça a duré 4-5 jours à peu près. Tout dépend de météo, mais il y a des grandes chances que ça dure 4-5 jours. Enfin voilà. La canicule, je pense pas que je l'ai précisé, elle va commencer de l'Île-de-France jusque au sud, sud-ouest et sud-est. Et Lyon, on est très très touché, voilà, comme d'habitude. Allez, sur ce, à la prochaine.